Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est la puce et Romano. Les gardium, les fiosta. La classe. Ah, ça marche pas. Mais c'est normal, t'as pas de baguette. Mais si, ouais, bon. Donc, on est là pour un Amawalk de Lego Harry Potter année 1 à 4. Eh oui, on va s'en taper du Harry Potter, même depuis que le dernier film est sorti, on va encore s'en taper. Oh là là. Mais dis-toi qu'après c'est fini. Donc tu nous présentes un peu le jeu? Oui, si tu veux, hein, j'ai pas trop envie personnellement, mais c'est pas grave. Donc, c'est donc un Lego Harry Potter année 1 à 4, édité par Warner Interactive, développé par TT Games, aussi connu sous le nom de Tetals Games ou Nichon Games. C'est un jeu action-aventure sorti le 24 juin 2010 pour tout public. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on va lancer une nouvelle partie. Hop, nouvelle donnée. Hein. Ils n'ont pas du tout vu que c'était qu'il y avait une partie à 3% et la partie qu'on a faite juste avant, qu'on a ratée. Pas du tout. On a fait des essais, donc le truc de Lego Harry Potter, c'est qu'il y a un mode histoire et après un jeu libre avec tout un tas de bonus à débloquer. Le problème, c'est que le mode histoire peut se finir très rapidement et après il faut revenir dans l'histoire pour débloquer le reste et accéder aux bonus. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer quand même de faire le mode histoire de façon correcte sans trop passer de temps dessus pour pouvoir revenir, que ce soit pas trop répétitif. Je suis d'accord, hein. Fais comme tu sens, moi je dis c'est ton rôle, c'est ton jeu. Ok, l'avantage quand même des cinématiques, c'est qu'on peut parler en même temps, vu qu'il n'y a pas de dialogue parlé. Ouais, parce que dans l'essai qu'on avait fait avant, on n'avait pas parlé, et comme ça dure longtemps, ben, il y a eu un grand vide, très grand. Voilà. Voilà. Donc j'en profite un peu pour parler au calme. Dans la progression des Lego Harry Potter, après je sais pas si ça marche pour les Star Wars et tout comme ça. Donc on doit débloquer des briques dorées qu'on gagne en finissant les niveaux du mode histoire, en délivrant des étudiants qui ont des problèmes. Ou tout un tas de choses dans l'histoire pour gagner un nouveau bonus à la fin et finir le jeu à 100%. Donc le problème, c'est que par exemple pour les emblèmes, il faut faire des petites actions pour débloquer les 4 morceaux de l'emblème de Poudlard, mais on peut pas tout faire à la première visite. C'est pour ça qu'ils proposent le mode libre, surtout, voilà. Hein, c'est pour faire revenir les joueurs. Parce que s'il faut terminer le jeu... Et ce qui fait durer encore plus longtemps, parce qu'une fois qu'on... C'est vrai que s'il n'y avait qu'une mode histoire normale, ça serait très court. Hagrid. Ouais, donc la cinématique n'est toujours pas terminée, hein, en même temps. Tu veux un petit thé? Ça va aller. Je vais me faire un diable aux grenadines, je reviens. J'ai trop bu ces temps-ci. Il fait trop chaud. Ça lui atteint le cerveau. Voilà, donc là, faut activer. Là. Donc du coup, on va jouer tous les deux. Wouhou! Bah, il faudra peut-être poser problème, vu que j'ai l'habitude de jouer tout seul. Donc voilà, quand il y a les pièces et tout ça, il y a une barre en haut, une barre noire qui devient jaune au fur et à mesure. Ça débloque la brique dorée véritable sorcier. Ça dit qu'il faut ramasser le max les pièces à 100% dans un niveau. Hop. Là, l'avantage d'être à deux, c'est que tu voulais peut-être que je monte en haut. Oui, je sais pas, moi je... Tu sais, on a beau l'avoir fait il y a pas longtemps, faire un essai, je m'en rappelle pas. Voilà, hop, je ramasse une petite pièce. Je ramasse ça avec le bouton rond. Bouton
pendant ce temps, je fais n'importe quoi. Et on peut ouvrir la porte après. Donc là, quoi, là, toi, t'es en train de faire pour débloquer le morceau d'emblème Gryffondor de ce niveau-là. Donc il faut créer un truc là. Voilà, donc il faut casser les deux tables. Vas-y, viens casser la deuxième. Ouais, enfin, je lui ai dit ce qu'il faut faire parce que vu que Harry n'a pas encore ses pouvoirs, il faut pas faire tout ça. Donc vas-y, faut que tu fasses le deuxième tableau. Voilà. Donc il est là-haut, donc il faut que tu jettes un sort sur les tabourets pour que je puisse monter. Hop. Arrête. Casse tout. Voilà, non mais c'était le temps que je monte là-haut parce que... C'est tout ce que je sais faire dans les... Bah Grid, il ne sait pas faire grand-chose au niveau sort. Ah, je m'en fous, j'ai un fauteuil qui marche. Oui, bah moi, il y a les pièces, je peux pas les récupérer. Bah, à part les trucs à casser, moi je peux pas. Il y a encore... C'est quand donné? Ouais, ben c'est ça pour beaucoup de choses. En fait, tu peux faire bouger les objets plusieurs fois de suite. Mais bon, au bout d'un moment, il n'y a plus de pièces qui tombent. Il y en a, ça marche une fois, il y en a, tu peux faire jusqu'à 5-6 fois. Moi, tu nous ouvres la porte aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je fais des. Malgré que je fais du patinage artistique depuis qu'il est petit, alors bah. Je sais pas où t'as été prendre ça, mais... Bah moi, je sais pas, je trouve que... Voilà. Je trouve que, voilà. Donc, je trouve que Harry, il a une tête dure pour casser les trucs en faisant une roulade. Donc, attends, je vais mettre... Juste pause. Donc là, en bas à gauche, donc la tête de l'étudiant à l'électrice, parce qu'on l'a pas encore aidé. Oh. Donc c'est soit on les aide, soit on les sort de, enfin quand ils sont prisonniers, tout comme ça. Et donc à droite, donc l'emblème de Poudlard. Donc là on en a qu'un morceau pour l'instant. Mais on va en avoir un dans pas longtemps, un deuxième. Ouais, celui de Serpentard. Mais ah oui, on va faire un teaser. Toi tu dis ce que c'est. Oh là. Oh, elle gâche tout. Alors ce que je disais aussi, donc on a les briques dorées donc pour tout débloquer et on a des boîtes rouges qu'on a dans les parties libres comme enfin un peu comme ici donc le chaudron baveur et chemin de traverse et le château de Poudlard donc ça débloque en fait des bonus voilà donc il y en a au début qu'on a direct bon qui servent pas à grand chose. Et par exemple, il y en a, après, c'est pour avoir score x10, pour être invincible, tout un tas de trucs comme ça, qui peut être pas utile. Donc, je vais le faire. Hop! Alors, le ferron, je fais coucou au personnage, pour débloquer le morceau de Serpentard. La c'est très amusant. Ah ouais. Alors viens là, Hagrid. Hop, moi je vais monter sur la table pour aller chercher le pauvre petit étudiant qui s'est retrouvé là, on sait pas trop comment. Et qui saute pour se barrer, mais alors là je. Voilà. Je trouve ça super con ouais, personnellement. J'ai pas trop compris, mais bon. Tiens, il y a une table là-haut aussi. Du bleu, il y a du bleu. Il y a même du violet, par contre je me rappelle. Je me rappelle plus comment on fait pour monter là-haut. Bon, j'essaie de le faire. Ça t'as l'air en place. Ouais, et tu peux les casser. Ouais, trop bien. Trop bien ce jeu, rien que pour ça. Ah oui, il y en a plein des petits trucs marrants comme ça, de transport, tout ça. Voilà, j'ai tout cassé. Ah, une caisse à caisse. Il est vraiment. Harry Potter, tu m'étonnes après qu'il y a une cicatrice. Tu fais le. Ça là. N'empêche, Harry Potter, s'il y a une cicatrice, c'est pas à cause de ce qui s'est passé quand il était petit, c'est parce qu'il s'amuse à faire ça tous les jours dans sa vie. Et au bout d'un moment, on s'ouvre le crâne, c'est normal. Hein. Allez.
Oh, voilà. Oh, quel saut! Allez, une caisse violette. À chaque fois que je dis quel saut, ça me fait penser à Z70 Show, le mec s'appelle quel saut. D'accord. Pardon. Hop. Donc là, on récupère des ingrédients pour faire une potion qui explose. Non mais on a besoin de toi là, moi je peux rien faire. Pardon. Ouais. Si. Ah. C'est à moi. Hop. Allez, tous aux abris. Oh, ça a l'air bon. Ouais. Y'a rien à reconstruire, non? Par contre, j'ai... Donc, pour débloquer l'emblème de... Alors, c'est... Poufsouf, je crois. On s'en fout, de toute façon, il existe que Gryffondor et Serpentard. Le reste, on connaît pas. Oui, bref. Alors, allez. On a besoin de ça. Il faut qu'il sorte. Voilà, et tu reconstruises. Allez, un petit tour de balai. N'empêche, faut le temps de... Moi, j'aurais pas pensé créer un balai comme ça. Alors, attention, t'es un Power Ranger, t'es le Power Ranger John. Tu dois nettoyer les rues de la ville. Un Ranger bleu. Bleu, pardon. C'est tout moi. Tu dois nettoyer les membres qui se trouvent de partout dans voilà, la ville. Voilà, donc il suffisait de nettoyer pour avoir l'emblème. Ah, elle m'a piqué. Bon, par contre, on pourra pas avoir le quatrième parce qu'il faut... Enfin, je vous l'expliquerai quand on sera dans la banque. Donc là, il n'y a que Hagrid ou quelqu'un qui boit une potion de puissance pour tirer le... C'est quoi ça? Comment on y appelle ça? Des leviers, tirer voilà, un levier, actionner un levier. Un voilà. Levier, voilà. Un levier de cette forme-là, il n'y a que Hagrid qui peut le faire ou si on a une potion de force. Voilà. C'est ça. Mais ça, on verra plus tard. Tu veux t'éclater à casser des trucs? Oh oui. Ça, je sais, moi, je suis fan de ça. Moi, moi je peux rien faire, là. Il n'y a rien à casser en roulant. J'essaie de manger le coffre, là. Au pire, moi, je ramasse les pièces que tu fais tomber. À toi, par exemple, souvent, ce qu'on trouve, soit les lampes là qui sont pas éclairées ouais. Aussi. Il y a... En fait, on peut faire des actions sur tout ce qui ressemble un peu à du Lego. Donc il y a aussi... Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Il y a les... Ah, mais il m'embête les gens. Il y a les chaises, là, derrière, tu peux exploser. T'étais... Ouais, t'étais pas en place. Ah, il y a une action que tu peux faire, vu que avec carré tu restes plus longtemps, tu peux sélectionner plusieurs objets à la fois aussi. Hein. Oui, oui, d'accord. En fait, il faut tout casser, c'est tout ce qu'il y a à faire. Oui, bah pour l'instant, il n'y a que ça qu'on peut faire et ramasser les pièces. Oh, on est même pas à la moitié, hein. Oups. Une carte très non? Pas forcément. Oh! Ah, ça y est. Bon, j'ai d'allumer toutes les petites lampes là. Ça, ouais. C'est très inintéressant à faire, en mais. En fait, ouais. Le truc, tu vois, quand il y a un chiffre comme ça derrière, là t'en as fait 4 sur 8, ça veut dire que t'auras une plus grosse récompense quand t'auras fait les 8. Là, il y a beaucoup. À chaque fois dans les niveaux, il y a des trucs comme ça. Mais ah, pareil avec les petits trucs orange là-dedans. Ouais, ouais, non, je sais, mais moi je m'occupe de. Ah, mais. Ah non, ils n'ont pas de chiffres là. 6 Il y en a une que t'as oublié quelque part. Ah, si j'étais dessus. Mais. Oh, ah, la caméra t'en fait le bout. Elle est là l'autre. Ouais, d'accord, j'ai complètement raté. Je peux dire que moi j'ai des choses plus pratiques pour allumer une lumière. Il y a des boutons, par oui, exemple. Ça s'appelle un interrupteur. Interrupteur. En fait, il se complique la vie, les sorciers. Et toi, on a une violette. Ouais. Hop là. Donc, je vais aller voir le président, le directeur de la banque. Hop. On va pas terminer, il y a des trucs encore. Mais on va revenir après. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc comme je dis, il n'y a pas de parole dans les Lego, il
enfin c'est facile à comprendre, mais bon, je pense qu'il faut quand même connaître un minimum l'univers d'Harry Potter, parce que... Bon, à la limite, bon, ça, le premier film, bon... Ouais. Non, ce que je veux dire, voilà, si tu connais pas l'histoire, c'est pas avec les Lego que tu vas forcément la comprendre, hein. T'amuses bien le banquier, hein. Ouais, c'est l'humour à la Lego. Donc maintenant, on a un petit personnage en plus. Bon, elle va ouvrir les portes. Il y a une baguette, lui, ou pas? Non, il peut couvrir les portes. Ah, c'est un gobelin, hein, faut pas trop lui en demander, non plus. De toute façon, je connais des amis gobelins. Voilà, donc, le dernier morceau d'emblème, il est là derrière cette grille, là. Mais on peut pas l'ouvrir pour l'instant. On n'a pas appris le sort pour casser ce qu'elle a. Donc faudra revenir plus tard. Non, faut que tu passes. Faut que tu descendes. Alors c'est quoi l'ordre des couleurs par rapport au... Ah oui, alors les pièces, donc elles n'ont pas toutes la même valeur. Je sais pas la valeur exacte, mais donc la plus petite, c'est donc la jaune. Après t'as la grise. La bleue et la violette. Bon alors, mon petit personnage, je peux ouvrir les serrures comme ça. Dans un niveau, dès qu'on voit une serrure comme ça, ça veut dire qu'il faut avoir le petit gobelin pour aller les ouvrir. Et ouais. Maintenant qu'on a trois personnages, hop, moi je peux devenir Harry. Ou si tu changes, je peux devenir Hagrid aussi. Non, je suis bien avec Hagrid. Ce qui fait des patinages artistiques, c'est trop bien. Donc pareil, là il y a un coffre. Donc, il y a souvent des coffres ou tout comme ça, où il y a des pièces de personnages. C'est-à-dire, par exemple, celle-là, je crois qu'il y a le... pour débloquer justement le petit gobelin. Et donc, que tu achètes plus tard dans le mode libre, pour pouvoir revenir et débloquer de nouvelles choses. Donc, et là, il y a un autre personnage aussi. Mais on peut pas les ouvrir pour l'instant. J'en marche tout ce que je peux pendant que tu parles, hein, je... Voilà. Bah par contre, j'aurais besoin que toi, tu ouvres la porte. Ah merde, je suis coincé. Non. Non, mais je peux plus bouger le truc bidule. Le truc bidule, je voyais. Allez. Alors toi, tu peux jeter un sort sur le coffre, là. Il y a des pièces dedans. Ouais, je suis riche. Putain, mais faut rejeter un sort. C'est tout. Hey, ils ont fait l'erreur avant. Ouh, pardon. Et y'a rien derrière, sinon? Ben, faut se balader des fois. Peut-être derrière les murs, c'est caché, il y a des pièces par terre. Oups. Donc, voilà. Allez. Il nous regarde, Hagrid. Attention, soit jeune, soit sage, tu vois. Oui, bon, pardon. Allez. Là, faut constituer le tableau pour pouvoir aller... vers les coffres. Bah, tu peux faire coucou, hein. Ça marche avec tous les personnages, celui-là. Ouais, je crois à chaque fois qu'il y a des tableaux ou tout comme ça, je vais essayer de préciser avec quel personnage ça marche. Parce que certains, ils trouvent des personnages particuliers. Donc si j'oublie un jour de le dire, je fais la réflexion. Tu es très bien que pour faire des réflexions, je suis très fort. Donc, désolé, on a été dérangé. Donc, il y aura une petite coupure. Bon, c'est bon, ils ont vu passer la coupure. Ouais, mais du coup, je sais plus ce qu'on disait. C'est pas grave, bon, de toute façon, ça avait pas l'air très très intéressant. Ouais. C'est Harry Potter en même temps, faut allez, le faire taper. On est prêt, on va presque avoir la brique dorée de véritable société, donc il faut essayer de ramener des trucs. Alors, moi, je vois ici. Ah oui, donc je vais préciser, donc c'est pas Harry Potter, là. Mais, de quoi? C'est pas le coffre d'Harry Potter? Non, c'est pas celui-là. Bah, attends, sinon j'aurais... attendu avant de l'ouvrir. Tu peux tout casser, là. Donc, le jeu, il comprend donc les 4 premières années. Donc, pour chaque année, il y a 6 niveaux de...
Arrête de bouger. Je peux pas faire le truc. Non mais faut qu'on se pousse en fait. Faut pas dire. 6 niveaux. Et donc par exemple pour chaque niveau, bah, à chaque fois il faut faire véritable sorcier, l'emblème, l'étudiant et 3 pièces de personnages à trouver. On l'a eu. Voilà, donc là pareil, il y a encore une pièce de personnage mais on peut pas la prendre. Ouais. Allez, la grille. Peut-être t'as pas d'autres coups que... Enfin voilà, normalement niveau pièce, au niveau normal on peut toujours le faire. Sauf si t'en oublies vraiment trop. Hein. Bah, de toute façon, il y en a toujours un petit peu plus normalement. Non, faut que tu tires. Je sais, truc. Mais il va faire tomber des pièces le truc. Voilà. Ouais, bien. Oh, merde. Putain, je sais pas comment il tombe à cet endroit. C'est très facile de tomber. Putain, on a saturé le micro. Pardon. Là, tu peux encore récupérer des pièces. Donc on ouvre le coffre d'un et on se bat avec tout l'argent. Et le niveau est terminé. Oh. Je dis un pandin riche. C'est dégoûté de voir ça personnellement. Ou encore c'est pas un riche qui est radin parce que quand tu vois à côté de ça son copain Ron qui a pas de sous, il lui fait toujours des cadeaux donc. C'est quoi qu'il a mis dans sa barbe en fait? La... Bah... Je vais spoiler si je... Pardon. Ne spoil pas. Bah, quelque chose qui appartient à Dumbledore, on va dire. Voilà, enfin, ceux qui connaissent sauront ce que c'est, évidemment. Donc, on va aller chercher la baguette d'Harry. Hop. Il fait un peu pervers la grille. Oh, Harry. La main sur l'épaule, tout ça. Ça va, toi? Bah, attends, il est avec une guanora, je suis désolé, je te fais peur. Donc, il a froid. Bien sûr. Il fait froid en Angleterre. Ouais, mais il est poilu, donc il va craindre le froid. Il fait froid en Angleterre, il fait tout le temps. Ça, c'est en Écosse. Et en Bretagne. En Angleterre, il fait tout le temps aussi. J'espère qu'il n'y a pas des Bretons qui vont les faire. J'ai pas fait fort pourtant, ça te sature le micro, j'ai pas fait fort. C'est que t'as une voix qui porte. Voilà. Ouais, moi, j'ai tout fait tout. Magnifique. Voilà, donc comment on a débloqué un des trucs? Plein de sous. Enfin bon, ça c'est rien, ça tu perds très rapidement en achetant les trucs, j'imagine. Je veux dire, quand tu débloques le score en x10, j'étais à presque 1 milliard de pièces alors. Mais d'ailleurs aussi, on joue sur Play 3 là. Et il y a des trophées Play 3. Après, je sais pas comment ça marche pour les autres. Console, mais la Xbox en général ils ont les mêmes, à peu près. D'accord. Les mêmes. Mais non, mais je parle surtout pour le PC, DS, tout ça, ouais, je sais pas si dans le monde. Et là en l'occurrence, après il y a des trophées, faire un score de 1 million de pièces, tout ça, mais bon, ça on peut le faire qu'en jeu libre en général. Donc on verra plus tard si pour les joueurs Play 3 vous voulez qu'on essaye de le faire ou pas. Donc on va arrêter là pour cette vidéo. Oui, merci. Donc, s'il vous plaît, laissez des commentaires pour dire si voilà, vous avez l'impression qu'on avance trop vite ou au contraire qu'il faut qu'on perde moins de temps sur le niveau. Ce que vous voulez qu'on vous montre aussi. En même temps, s'ils connaissent pas, ils vont pas te dire je veux que tu montres ça. Ah non, mais ceux qui connaissent, voilà, si vous voulez vraiment. Comme là, donc on va faire le mode d'histoire en entier. Mais sachant qu'il faut revenir en jeu libre pour débloquer le reste, est-ce que vous voulez qu'on refasse une deuxième fois en jeu libre pour tout débloquer, pour vous montrer plus en détail en fait? Je pense que ça, ce serait plutôt quand on se rapproche de la fin, savoir si les gens ils seraient lassés ou pas de voir une suite en fait.
Au moins, si vous avez des idées, voilà, donnez-les. Exprimez-vous, n'hésitez pas à nous donner votre point de vue. N'hésitez pas aussi à visiter le site amatest.com, qui va bientôt avoir une petite version 3 que je mets 10 ans à développer, mais... Si Romano se dépêche. Voilà. Et venez sur le forum amatest.xoit.fr. Voilà. Et à bientôt tout le monde. Salut, bisous, les gardiens. Et bien au sort. Je connais que ça, moi, Harry Potter. Tant pis. Oui, quand même.